Salut tout le monde, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais aujourd'hui vidéo matérielle. Alors, après vous avoir fait découvrir la carabine à plomb Takuan, on part sur un nouveau matériel aujourd'hui. Vous allez voir ça. Petit cartounou. Qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a ceci à vous présenter. Le HDR50 de chez Umarex. HDR comme homme défense revolver. Vous connaissez peut-être. Allez, on commence l'unboxing. Alors, c'est un pack que j'ai acheté chez Armurerie Loisirs pour aller grosso modo 210 balles. Qu'est-ce qu'on a dans ce pack pour ce prix-là? Déjà, on a le HDR. Hop. Voilà, un joli petit revolver. 6 coups qui marchent avec des sparklettes de gaz, avec un barillet, 6 coups à remplir. Hop, embouché, impeccable. Le témoin de pression, quand il sort, c'est que la sparklette est dedans et que c'est en pression. Est-ce qu'on a autre chose dans cette boîte? Une notice et ça, la petite clé hexagonale pour démonter le cul là où on met la sparklette pour bien le serrer. Nickel. Hop. Alors, ceci est accessible pour toute personne majeure. Faut juste envoyer vos pièces d'identité via photo ou machin sur le site Armurerie de Loisirs. Je l'ai reçu, commandé quand? Samedi. On est mardi, je l'ai reçu mardi matin. Donc, délai de livraison impeccable, rien à dire. Dans ce pack, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce prix-là? On a une jolie petite housse pour ranger tout ce matériel. Hop, on va ouvrir ça. Juvius, comment ça ressemble à l'intérieur? Petite bande, forcément pour ranger les sparklettes. Et hop, une autre housse intérieure qui se ferme, comme ceci, impeccable. Ouais, c'est joli. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On va fourni avec 10 sparklettes de gaz, les 12 grammes, ça se présente comme ceci, de chez Swiss Arm, la même que la carabine à plomb, donc nickel. C'est bon, on a bien les 10 sans aucun problème. Avec ceci, on avait les billes calibre 50, grosso modo 1,2 cm, billes mince, billes gomme intérieur métal, celle-là. Si je me souviens bien, elles sont annoncées à 2,5 g. Donc une boîte de 50, c'est ça. Avec ceci, un deuxième barillet, toujours assez pratique. Ça, pour les sessions de tir, pour avoir juste changé le barillet. Et les non moins commencent à être connues et intéressantes balles, un billet dit Devastator, chemise plastique avec tête en métal. Celle-là, donc c'est à 4 grammes. D'après ce que j'en avais vu, celles-là font pas mal de dégâts. On essaiera ça un peu plus tard. On va tirer sur différents matériaux, voir le pouvoir de pénétration de ces petites choses. L'une, que ce soit les Devastators ou les rubbers. Et pour finir, dans ce pack, nous avions aussi intégré un petit laser qui se cale sous l'HDR, à peu près comme ceci là.
Je sais pas dans quel sens encore, je ne l'ai pas ouvert. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est déjà, on se revoit, je vais monter le laser. Allez. Bon, voilà. On a monté le laser sur l'engin. Celui-là, il s'allume comme ça. Clac. Voilà. Sympathique, ça fait un bel objet, c'est bien stylé. Il reste plus qu'à aller. On va commencer à charger ça. Tac, on met la molette, on libère le barillet. On va le charger pour voir ce que ça donne. On va en charger un avec les rubbers. Tac. Tac. Oh, reviens ici, toi. Oh, bordel, on fait tout tomber. Tac. Voilà. J'ai fait le drame. Super trépied de compétition. Hop. Et hop, ça donne ça. Et on va charger le deuxième avec les dévastateurs. Les fameuses dévastateurs qui sont pas données quand même, hein, la boîte. Hein. En ce moment, elle est en promo sur Amiral Loisir, mais ça reste des munitions assez chères. Tac, ça se présente comme ça. Tac. Tac. Décidément, main de parpaing. Tac, je vous montre une dernière. La fameuse bille Devastator. Ils sont annoncés à 4 grammes celle-là, par rapport à 2,5 grammes pour les rubbers. Donc après, on le cale comme ça, on redescend le loquet. On est bon. Et il n'y aura plus qu'à mettre la petite sparklette. Pack, pack, une sparklette. On met comme ceci, pointe en bas. On visse. Et après. Pour l'instant, regardez, le témoin est dégagé. Et quand on tape au cul, je vais pas le faire tout de suite, le témoin ressort pour vous montrer qu'il y a la machine est sous pression. Donc bon, il n'y a plus qu'à aller essayer ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour l'instant, pas grand-chose. Juste faire attention, parce que ça reste quand même une arme de catégorie, je me souviens plus le type. Maître majeur pour acheter ça. Les billes calibre 50. Les autres pareils, calibre 50 chemisé, même si la bille est plus petite. Et puis voilà, si ça envoie, si, ça envoie 14 joules, ce petit engin. Allez, il n'y a plus qu'à aller essayer ça.